located at each exit. Ça, c'est les dernières instructions avant le décollage. As a flotation device, it is easily removed by simply pulling it up. Grasp opposite end. Tu es en train de sucer ton bonbon? Eh ben. Concord, à l'est du Groenland. C'est pas la peine, ils se sont fait mal. Alors, c'est la maquette du The World Trade Center. Nous allons monter d'ailleurs.
Le tout est encore un peu sous contrôle. À notre gauche, il y a une rangée de maisons assez haute. Le bâtiment de l'ONU à New York, devant la reproduction de la capsule qui atterrit sur la Lune. Alors, regarde-moi. Donc il y a deux tribunaux. M'appelle Claire et nous avons notre appartement au 8e étage, 4, en briques rouges. À côté la piscine. C'est quand même pas mal, hein. C'est un agent de la sécurité, la police intérieure de Gallaudet, avec son petit véhicule pour se promener. C'est là où ils donnent leur représentation, Teria. Où nous prenons nos repas. Aujourd'hui, c'est un peu vide. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont sortis. Ils sont diverses. Il y a toutes les couleurs, mais tout a à peu près le même goût. Bonjour, oui. Ah, il a l'air d'être un peu effrayé de ce que je lui fais là. Dans Gallaudet Collège. CMSSD. Là maintenant ici. Là à droite, un nouveau bâtiment en construction. Là les jardins. Et au loin, une autre ville de Washington. It's too dark in the room. Oh, that's too bad. You know, I think it's nice that you can also see the That's right. Are you your little father's helper? Le centre d'éducation continue, car c'est le centre d'éducation continue qui est responsable pour tous les programmes d'été. Malheureusement, le docteur Mays n'a pas pu venir ce soir, mais il est représenté par sa femme. Alors,
Nous allons la remercier maintenant. Next, we'd like to say thank you to the interpreters who worked so hard during this program. Bill, Elizabeth Kraft. Ok, Bernard, tu voudrais dire quelque chose maintenant? Les États-Unis et Galvet pour leur dire merci de ce qu'ils nous ont donné. Il faut dire que on avait commencé il y a un siècle et demi, quand même on vous avait donné un sacré coup de main. Just a couple words of thanks to thank the United States and Gallaudet. But I'd like to emphasize that the second workshop at Gallaudet is very important. Bon, déjà, parce que déjà le premier avait finalement renoué avec la coopération franco-américaine qui avait été totalement interrompue pendant un siècle et demi. Because the first... C'est dommage, je crois qu'on n'a pas pensé à donner à Pat aussi un certain... Ici, c'est la tombe de son frère. Toujours dans le cimetière d'Arlington, un amphithéâtre. All the tickets for the day booked have been emptied out. There are no more tickets. In other words, we've booked them to 4 o'clock. Now, before the mid. Ici, une vue de la Maison Blanche, en bas. La voilà qui se rapproche. Son mémorial. Radio antenna. That is the Anacostia Naval Air Station. It is at this air station where the president's helicopter. Là, nous sommes au Mont Vernon, actuellement. Autour, il y avait tous les communs. La Claire, elle est fatiguée. Elle se repose. Ah là là, regardez comme elle est fatiguée. Oh, c'est pas vrai. Oh, la menteuse. Nous sommes venus assister à un pique-nique organisé par une association qui s'appelle Sourds et Fiers. Nous avons été très bien accueillis. Il y a beaucoup d'invités, dont une personne venue d'Afrique. Parce que j'avais l'impression de trouver la femme.
loin, il y a d'autres qui arrivent plus loin. Nous avons l'impression de se figer dans un autre monde. Nous avons l'impression de nous trouver dans un autre monde. Son plus beau souvenir, c'est que les Américains ont été très accueillants, très ouverts. Il n'y a pas de différence entre les entendants et les sourds en Amérique. Your hospitality, and we will remember all our lives. I appreciate your speech with three-way interpreting, so I hope that you could understand me. Finished. Thank you for coming. The material I have is Maison américaine où aujourd'hui nous avons été reçus pour un pique-nique comme des amis. Il y a une ambiance vraiment sympathique. Tous les gens sont accueillants. La plupart naturellement sont parents d'enfants sourds ou sourds eux-mêmes. Là, actuellement, c'est une conversation entre une Française et une Américaine. Deux langages gestuels un peu différents, mais ils se comprennent très bien. Là, en ce moment, on est en train de débiter de la pastèque. Ce soir, il y a un petit peu tout le monde. Des éducateurs de Gallaudet College, leurs amis, et puis il y en a une là-bas quand même. Conversation en langage signé. Là, ils sont en train de tenir vraiment une conversation, mais alors, ils sont 5-6 à discuter. Comme quoi, on peut très bien s'expliquer par geste. Là, c'est Mel Carter qui est en conversation. Un psychologue. D'ailleurs, il nous a raconté qu'il était le cousin de Carter, mais ensuite, il nous a dit que c'était pas vrai. Il y a longtemps, là. Ça, c'est vieux. C'est vieux, c'est... ça vient... Mais non, c'est... Alors là, c'est le casse-croûte, la préparation du maïs. Alors là, tu manges debout parce que la peur des insectes si elle s'assoit dans l'herbe. C'est le pique-nique chez Carol Padden. Mais... Tu racontes ce qui se passe un peu. Ah,